Regardez l'image que l'on vient de découvrir. Il s'agit d'une affiche de film affichant Skippy des toilettes, mais aussi Vlad et Nikki. Et comme on peut le voir, Vlad et Nikki se sont aussi transformés en Skibidi. C'est vraiment terrifiant. Il faut rapidement qu'on aille sauver Vlad et Nikki avant que la transformation ne se termine. Comme on peut le voir, la transformation est en train de se faire, puisque Vlad et Nikki commencent à avoir les mêmes yeux que Skippy des toilettes. C'est pour ça qu'il faut très rapidement retrouver Vlad et Nikki. J'ai entendu des bruits comme quoi il pourrait être dans une plaine pas très loin de chez moi. On va s'y rendre et découvrir ce qui s'y passe. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube et mets un gros pouce bleu. Tu as 5 secondes pour le faire ou Skippy des toilettes va t'attaquer ce soir. Et d'après certaines sources, peut-être qu'il pourrait même y avoir un film entre Skippy des toilettes et Vlad et Nikki. Bref, reste jusqu'à la fin et c'est parti, allons à la recherche de Vlad et Nikki. Nous sommes de retour dans la voiture et regardez, le drone a été placé sur le toit. On va maintenant partir chercher Vlad et Nikki, ou peut-être sont-ils déjà devenus des Skippy des toilettes. Bon bref, dès maintenant c'est parti, on fait décoller le drone et j'espère qu'on va réussir à retrouver Vlad et Nikki. En tout cas j'ai très hâte, let's go les potes, c'est parti. Et du coup nous voici sur le drone, regardez un petit peu ça, on a une vue sur une jolie plaine tout simplement. Il y a des petites maisons et tout, mais bon là on n'est pas là pour ça, nous on est là pour chercher les Skippy des Nikki et Vlad. Donc surtout si vous voyez des toilettes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est super important. Alors là-bas déjà on a un petit truc, on va aller s'y rapprocher un petit peu pour voir qu'est-ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est un petit peu étrange. Allez, je vais m'approcher un petit peu de ce truc là. Qu'est-ce que c'est? Eh mais attendez, on dirait pas des sortes de petits moutons? Oh mais regardez ça, c'est des petites chèvres et tout. C'est pas du tout Skippy des toilettes, ni Nikki, ni Vlad, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Ici nous avons un terrain de tennis, on dirait bien, bon, qui a été un peu abandonné. Peut-être qu'on pourrait s'y rapprocher un prochain jour, mais bon. Oh mais what? Mais regardez ça, les moutons vont carrément dans le terrain de tennis. Ah mais attendez, mais ils sont à l'air libre ou quoi? Comment ça se fait qu'ils peuvent bouger comme ça et tout? On va directement avancer un petit peu et chercher un nouvel endroit. On a quelque chose d'assez intéressant, puisque ici nous avons tout simplement deux petites cages de foot. Et attendez, regardez bien au milieu là, on dirait pas Skippy des toilettes? Ouais, je crois qu'il y a carrément Skippy des toilettes là où je rêve. Bon, ok, bizarre, je crois qu'il a disparu, mais j'ai cru apercevoir une sorte de Skippy des toilettes. Je sais pas si je rêve ou quoi, mais si c'est bien Skippy des toilettes, ça fait quand même vraiment flipper. Bref, vous savez quoi, on va un petit peu s'approcher de cet endroit et on va regarder un petit peu tout simplement qu'est-ce qu'il y a à l'environ de ces cages, puisque là c'est la première fois qu'on voit Skippy des toilettes dans les parages. Ici nous avons une première cage de foot, et d'ailleurs on peut le voir, il y a une sorte de petite cuve comme des toilettes. Mais pas tout à fait des toilettes de camping, vous voyez, des toilettes un petit peu qu'il y a dans les camping-cars, des caravanes. Peut-être le début d'une transformation en toilette. Ça veut dire que c'est possible que Vlad ou Nikki soient dans ces toilettes-là. Attendez, on va s'approcher un petit peu tout simplement de cette petite cage de foot, voir un peu de plus proche qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, mais je m'inquiète quand même déjà beaucoup. Ok, alors maintenant qu'on est là, on peut clairement l'apercevoir. Ce sont bel et bien en effet des toilettes qui sont d'ailleurs fermées, avec évidemment, bah voilà, la petite cuvette qui est fermée et tout. Mais attendez, sur le personnage là, on peut le voir, mais c'est clairement, mais c'est Vlad. Mais qu'est-ce que Vlad fait juste ici? Non mais c'est quoi cette histoire là? Non mais sérieux, Vlad qui est dans des toilettes. Et d'ailleurs on peut le voir, on dirait une sorte de Skippy des toilettes, enfin un début de Skippy des toilettes. Peut-être que sa transformation finale sera celle-là. Bon, en tout cas bonne nouvelle, on a trouvé le premier Skibidi, et c'est donc Skibidi Vlad. Mais maintenant il nous manque à trouver Skibidi Nikki, et dès maintenant on part pour le rechercher. Allez c'est parti, on regarde maintenant directement de l'autre sens et on va aller vérifier si jamais il n'y a pas quelque chose d'autre. Ah bah tiens, il y a d'autres toilettes comme on peut le voir ici, et je crois bien que c'est peut-être même Skippy des Nikki. C'est clairement Skippy des Nikki les potes, vous pouvez le voir avec sa petite tête et tout. Les amis, très bonne nouvelle, on a trouvé les deux Skibidi, le Skibidi toilette Nikki et le Skibidi toilette Vlad. On va donc partir dans le secteur, mais par contre on a vu quand même qu'il y avait un Skibidi toilette hein, pas très loin, donc je m'inquiète un peu. En plus c'est très dangereux. Bon, on va s'éloigner un petit peu et on va regarder qu'est-ce qu'il y a vers là-bas. Wow, mais attendez, il y a Skippy des toilettes qui vient de découvrir le drone. Non, oh, qu'est-ce qui se passe? Bon, vite, il faut très rapidement aller sur la zone et aller sauver Nikki et Vlad, parce que là je crois qu'ils vont se faire attaquer. Oh non, on arrive dans la zone dans laquelle on a trouvé Skippy des Nikki et Skippy des Vlad. Regardez, juste là-bas nous avons le terrain de foot juste ici. Il est temps qu'on escalade cette géante herbe et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ces cages de foot. Let's go. Bon, allez, c'est parti. Vous savez quoi, on va commencer avec le premier Skippy. Bon, on va vérifier si Skippy des toilettes n'est quand même pas dans les horizons, parce que ça peut être très dangereux.
dangereux sinon. Non, ça va. Pas de Skibidi Toilette à l'horizon. On peut y aller, les potes. Let's go. Je viens de récupérer le drone. Ok, le voici. Et allez, on va commencer par les toilettes là-bas. C'est parti. Celle de Skibidi Vlad. Allez, y a pas de Skibidi Toilette. On va normalement pouvoir récupérer ces toilettes là. Oh, j'espère qu'il y aura rien de bizarre à l'intérieur ou quoi. Mais bon, vu que c'est des toilettes, généralement c'est toujours un peu sale. Bon, bref, on découvrira bien ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Alors, voilà comment se présentent les toilettes. On peut le voir ici. Il y a le petit Skibidi Vlad. Franchement, c'est quand même plutôt bien fait. Oh là, par contre, l'odeur de ces toilettes est un petit peu forte. Je sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur, mais en tout cas, très étrange. Bon, bref, en tout cas, première toilette. On l'ouvre pas tout de suite, on attend d'entrer à la maison pour découvrir son contenu. Bon, maintenant, voyons voir de l'autre côté. Nous sommes maintenant de l'autre côté de la cage, et regardez là-bas, on a le Skibidi Nikki. Allez, on va tout de suite aller s'y rendre. Let's go, c'est parti. Et là aussi, c'est quand même plutôt bien fait. On peut voir le Skibidi Toilette, enfin, la toilette avec la petite tête de Nikki. Franchement, on est sur du travail incroyable. Maintenant que j'ai ces deux toilettes, il est temps qu'on rentre à la maison et qu'on découvre son contenu. Je sens que ça va être incroyable. Attendez, c'est quoi ce bruit là? Mais il y a un géant Skibidi Toilette juste ici. Regardez ça, mais c'est complètement terrifiant. Bon, vite, il est temps qu'on court et qu'on rentre à la maison. Ah, je viens de placer les deux toilettes juste dans ma maison. Regardez ça. On a les toilettes de Skibidi Nikki et les toilettes de Skibidi Vlad. Bon, vraiment, j'ai très hâte qu'on découvre ce qu'il y a dans les toilettes. Normalement, dans une de ces deux toilettes, on devrait avoir le film. Bon, on va commencer par tester celle-là. Allez, c'est parti, la toilette de Skibidi Nikki. 3, 2, 1, boum. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plein de papiers toilettes. Bon, après, c'est normal, c'est des Skibidi Toilettes. Mais regardez tous les papiers. Ah, ah, mais ça sent pas bon du tout. Tu sais quoi? On va enlever tous les papiers toilettes et tu vas compter le nombre de papiers toilettes qu'il y a. Allez, on va faire une très grosse tour. Hop là, c'est parti. Bon, et franchement, il y a quand même beaucoup de papiers toilettes là-dedans. Hein. Bon, hop, et il nous en manque plus que un. Voilà, dans les commentaires, combien de papiers toilettes il y a là-dedans? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et... Je crois qu'il y a un dernier truc. Qu'est-ce que c'est? Regardez. What? Mais qu'est-ce que c'est que cette boisson bizarre? En plus, il y a des trucs dégoûtants dessus. C'est une boisson qui est complètement verte avec des grumeaux et tout. Et je rappelle que c'est une boisson qui vient des toilettes. Donc ça peut être vraiment horrible. J'ai un peu peur de ce que ça peut être. Mais allez, on va ouvrir ça, c'est parti. Et... Ok, alors ça sent extrêmement étrange. J'ai bien peur que le goût soit très mauvais aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cette boisson? Ça a un goût super toxique et super dégoûtant. Ah, je crois qu'il s'agit de la pire boisson que j'ai jamais vue de ma vie. Elle est absolument dégoûtante. Je comprends mieux pourquoi une boisson pareille était dans les toilettes de Skibidi Nikki. Ah, ah. On referme les toilettes et bref, on met les toilettes de Skibidi Nikki de côté et on passe à celle de Skibidi Vlad. Let's go! Regardez ça, les toilettes de Skibidi Vlad. Allez, on est parti pour ouvrir ces toilettes. 3, 2, 1, boum! Oh! Je crois que c'était la bonne toilette d'entre les deux. Là, on a beaucoup de chance. Regardez ça, une boîte de donuts. Bon, avant qu'on passe à autre chose, on va déguster ces donuts, voir un petit peu le goût que ça a. Mais ça a l'air super bon. Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ah ouais, c'est incroyable. C'est bien moelleux, bien fondant. Le chocolat est super bon. Là, ça a vraiment rien à voir avec les premières toilettes de Skibidi Nikki. C'est... Oh, je suis un régal. Bon, je vais pas tout manger parce que pendant la séance, je risque d'avoir mal au ventre sinon. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh! On a des pop-corns et on a un DVD. Et d'ailleurs, ce n'est pas n'importe quel DVD. Puisque regardez l'image, on a ici Vlad et Nikki et Skibidi Toilette. Je crois que c'était avant même que ces deux garçons se transforment en Skibidi. Je pense que dans le film, on va découvrir comment Vlad et Nikki se sont fait attaquer par Skibidi Toilette. On regarde le film juste après, mais dégustons les pop-corns. Je pense qu'il s'agit de pop-corn sucré ou pop-corn au caramel. Est-ce que tu préfères les pop-corn sucrés ou salés? Moi je suis plutôt team sucré, donc là je vais me régaler. Ok, c'est parti. Ah ouais. Oh ouais. Hey, ils sont super bons ces pop-corn. Avec des pop-corn pareils, je sens que vraiment je vais me régaler devant le film de Skibidi Nikki et Skibidi Vlad. Et est-ce que ça te dirait qu'on le démarre dès maintenant? Je prends mon DVD et mes pop-corn et on s'installe dans le canapé. Ah. Allez, je lance la télé et regardons le film. On va maintenant découvrir qu'a-t-il bien pu arriver à Vlad et Nikki. Nous sommes actuellement sur Minecraft pour essayer de découvrir un petit peu tout ça. Et il y a donc Herobrine qui est en train de bien rigoler en regardant sur
moment des TikTok et tout. Bon, évidemment, les élèves sont en train de s'ennuyer puisqu'ils veulent avoir école. Et boum, il est en train de jeter un truc sur Herobrine. Oh, mais quoi? Le téléphone s'est carrément cassé. Oula, bon, le zombie, je te conseille de très rapidement courir parce que Herobrine risque d'être très énervé. Bon, en tout cas, tout est en train de partir et évidemment, Herobrine va partir s'acheter un nouvel iPhone. Mais attendez, vous avez vu, il y avait qui dehors? Mais what? Mais qu'est-ce que fait Skibidi des toilettes juste ici? Mais il va sûrement essayer d'attaquer tout le monde. Non mais sérieux, Skibidi des toilettes, je sais pas du tout qui se baladait dans la ville. Bon, en tout cas, c'est bien la première fois qu'on voit Skibidi des toilettes. On va essayer de comprendre, mais quoi? Mais tout le monde est en train de se transformer en Skibidi Toilette, même le vendeur est devenu un Skibidi villageois. Bon, ça commence à faire beaucoup de Skibidi Toilette un petit peu dans les alentours, et du coup on peut le voir que Herobrine est en train de partir en courant, et voilà que regardez ça, les Skibidi Toilettes sont en train de les poursuivre. Bon, alors maintenant, où est-ce qu'il décide d'aller? Parce qu'on peut le voir, des Skibidi Toilettes étaient cachés vers là-bas. En tout cas, Herobrine est en train de courir très vite, et regardez ça, un nouveau Skibidi Toilette. Et regardez ça, Herobrine ne se laisse pas faire, puisque simplement il lui met un gros coup de poing, et après il tire la chasse. Sauf que bon, là il commence à y avoir beaucoup de Skibidi Toilettes de partout, donc ça commence à être vraiment hardcore. Mais what? Mais il est carrément enfermé là, il y en a de partout. Bon, c'est parti Herobrine, je crois en toi, tu peux réussir à t'échapper d'ici. Hop, il a réussi à tuer un nouveau Skibidi Toilette, sauf qu'il y en a évidemment de partout. Mais what? Mais qu'est-ce que c'est que cet énorme Skibidi Toilette? Alors là les potes, Herobrine, c'est sûr qu'il va forcément mourir avec tout ça. Non, eh franchement, je veux plein de pouces bleus pour soutenir Herobrine. Mais attendez, quoi? C'est moi ou le caméraman vient de sauver Herobrine? What? Ils ont disparu où? En tout cas, Herobrine et Cameraman ont disparu, mais voilà qu'on peut le voir. Le zombie est encore en train de se faire poursuivre par plein de Skibidi Toilettes. Et attention, on va voir un petit peu que va faire le zombie. J'espère qu'il va faire mieux que Skibidi Toilettes. C'est bon, il a réussi à prendre l'ascenseur. Mais je sais pas pourquoi, j'en étais sûr. Il allait prendre l'ascenseur et maintenant c'est 3 Skibidi Toilettes. Vite, on change d'étage. Et là, je sens qu'il va y avoir le géant. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va y avoir le géant Skibidi Toilettes. Oh, ok, non, pour l'instant, il n'y a personne. Regarde un petit peu autour. Mais il y en a encore un. Bon, vas-y, tire la chasse de lui au moins. Vas-y, boum, et tu tires la chasse. C'est bon, le zombie. Il a réussi à se débarrasser d'un premier Skibidi Toilette, même si je pense que... Mais regardez ça! Mais comment des énormes Skibidi Toilettes pareils peuvent se balader dans la ville? Mais attendez, quoi? Mais il y avait un géant caméraman aussi. Non mais, hey, c'est incroyable! D'ailleurs, il lui a dit bravo, mais attention! Il se fait maintenant attaquer par un Skibidi Toilette avec une lame! Oh, mais c'est super dangereux! Mais en tout cas, le caméraman a encore une fois réussi à tuer ce Skibidi Toilette. Mais là, j'ai l'impression qu'il a pris un petit peu de dégâts. Bon, bref, que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que vous pensez que Vlad et Nikki vont apparaître ou quoi? En tout cas, ce caméraman a l'air d'être un peu bizarre. Mais quoi? Il est en train de se taper contre Titan Speakerman! Attention! Qu'est-ce que le combat va donner? Le caméraman a l'air de pas se laisser faire. Et puis de l'autre côté, on a Titan Speakerman. Et encore une fois, un Skibidi Toilette! Eh mais décidément, ça ne s'arrête pas les Skibidi Toilettes. Vraiment, on envahit la ville entière. Hein. Il y en a de partout! Alors que pendant ce temps-là, regardez-moi ça, le caméraman et Titan Speakerman sont en train de se taper bien fort. Et regardez, il y a un petit caméraman qui va sûrement essayer d'aider son géant compagnon. Et attention, ça repart pour le combat. Caméraman qui, j'ai l'impression, va réussir à le tuer. Et attention, que va faire le petit caméraman? What? Il envoie un géant téléporteur, je crois. Boum! Pour évidemment donner... Ah mais oui! C'était peut-être pour donner de la force à Cameraman. Bref, je sais pas, mais en tout cas, c'est parti! Le combat entre Skibidi Toilette. Mais what? Alors par contre, ce Skibidi Toilette là, il est vraiment super fort parce qu'il détruit absolument tout le monde sur son passage. Qui va résister à ce Skibidi Toilette, franchement, avec son énorme scie? Attention, Titan Speakerman vient de se lever et Skibidi Toilette leur attaque. Mais cette fois-ci, vous pouvez le voir, Titan Speakerman ne se laisse pas faire et il détruit même Skibidi Toilette. Alors là, franchement, Titan Speakerman, il est vraiment fort. Et boum, il s'est fait attaquer par le plus grand des plus grands Skibidi Toilettes. Celui-là, il est absolument immense. Comment faire pour s'échapper d'ici? Bon, on a une équipe de plusieurs caméramans, de Herobrine et tout. Et ce petit mouton, qu'est-ce qu'il peut faire en fait? On va voir un petit peu. Bon, on va viser ce Skibidi Toilette et boum, on clique sur le bouton. Et qu'est-ce que ça va donner? Attention. Oh, de nouveau le laser, attention. Est-ce que ça va le tuer? On va voir ça tout de suite. Let's go, 3, 2, 1.
Il est passé où? What? Mais il a carrément disparu, à moins qu'il soit encore dans le ciel. Bon, je sais pas où est-ce qu'il est, mais en tout cas, on a réussi à attaquer Skibidi Toilette. Si t'aimes bien Skibidi Toilette, clique sur le bouton s'abonner. Et dès maintenant, deux nouvelles vidéos, une qui s'affiche ici, une juste là. Clique tout de suite dessus et je te souhaite un bon visionnage.